Salut, salut, ici c'est Rex Potam. Ouf, nous arrivons à la fin de la séquence du Requiem. C'est le sixième morceau donc, de cette série qui a suivi donc déjà les trois premiers qui faisaient l'introduction du Requiem. Donc c'est la fin de cette prière, il s'agit ici du Lacrymosa. Ce morceau commence par une variation sur le thème du Dies Irae, c'est voulu. La prière parle ici de jour de larmes. Et ceci vient comme un rappel et comme une variation du jour de colère qui débute la séquence. Ceci transparaît dans la musique, c'est d'abord une musique qui est plus lente, même si c'est le même thème, et qui est menée par le soliste, contrairement aux autres fois où c'est le chœur qui donne la dynamique. Ce thème donc garde sa noblesse et n'est pas aussi triste que ce qu'on peut avoir parfois. Car il y a tout de même un espoir, cet espoir de la poussière ressuscitera le pécheur. Ouais Cargo est écrit sur le thème du recordare, permettant de redonner l'espoir du pardon et du repos du défunt. La prière se conclut par les instruments qui jouent en parallèle les deux thèmes majeurs de la séquence, qui sont donc celui du Tuba Mirum et celui du recordare, pendant que le piano joue, lui, le thème du Requiem. Et enfin, le Amen réutilise le thème du Requiem, donc c'est la fin du graduel, avant de conclure avec un Ré majeur plein d'espoir. Et toi, comment ressens-tu donc ce Lacrymosa? Penses-tu que l'ensemble des morceaux de la séquence est bien intégré? Est-ce que l'utilisation des thèmes et la réutilisation est judicieuse? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse, et de toute façon, je répondrai. Si ce morceau te plaît, n'hésite pas également à me laisser un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc on est à la fin de la séquence. Je te laisse écouter ce dernier morceau. Les prochaines vidéos seront sur la suite du Requiem. Donc en dehors de la séquence, il y a d'autres prières. Nous découvrirons ça ensemble la prochaine fois. Bonne écoute! Deus, e